Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un autre jeu de la franchise Frogger, à savoir Frogger's Adventure Tomb of the Frogs. Et comme je viens de vous le dire encore une fois, il s'agit bien évidemment d'un jeu tiré de la licence du même nom, mettant en scène la fameuse grenouille qui risque sans arrêt son cul et qui se fait sans arrêt avoir. Alors attendez. On va prendre. Attends, oui, on va prendre 9 vies. Continue, oui, en 9, allez. Bref, c'est un petit jeu de plateforme assez sympa, assez mignon, mais bon, encore faut-il qu'on aime bien. Attends, ouais. Attends, on va se faire un petit nom. Voilà. Voilà. Attends, ils sont passés le. Ah non, attends. Attends. Excuse-moi, je vais essayer de. Mince, je vais passer le. Il n'y a pas le. Le A? Ah si, ouais, si, il y a le dé, bon, excusez-moi, j'ai remonté à l'envers, excusez-moi. Caverne des lutins. Salut Frogger, c'est moi, ton vieux pote. Lumpy le crapaud, je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui car le conseil des sages m'a demandé de te transmettre un message. Le conseil des sages? Un message pour moi? Qu'est-ce qui se passe, Lumpy? J'ai bien peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Ah, Frogger, l'environnement dans lequel nous vivons, le marais des Lucioles, est en train de mourir car MD a volé tous les éléments nécessaires à sa vie et celle de ses habitants. Il a dispersé ces éléments dans 4 mondes hostiles et se cache dans notre temple sacré, le temple des grenouilles. Le conseil des sages voudrait que tu retrouves tous les éléments et que tu nous débarrasse de MD, toi seul peux sauver le marais des Lucioles. Ok? Génial, j'ai toujours voulu voir ce qu'il y a à l'extérieur de notre marais. Ne t'inquiète pas, non seulement je vais retrouver tous les éléments, mais je vais aussi vous débarrasser de ce maudit MD. Bon, je sais pas qui c'est MD, c'est trop le méchant de l'histoire. Il ne sait pas à qui il a affaire. Oh oh! Sois prudent, ta quête sera pas aussi facile que tu le crois. Pas rechercher les éléments dans le feu, oui, on va nous chercher juste des éléments et risquer notre cul. Donc on va abréger la discussion. Voilà, allez, c'est parti. Donc, vous êtes donc Frogger, la petite grenouille. Voilà. Allez, bienvenue dans les aventures de Frogger, le temple des. Non, dans chaque niveau de ce jeu, tu trouveras dans l'icône semblable à celle-ci, représentant que tu recherches ton principal jeu et de rassembler les 3 icônes. Bonne chance, très bien. Alors, attends. Voilà, on peut tirer la langue, on peut sauter, hein. On peut retirer la langue. Voilà. Oh, c'est bien, d'accord. Je vois que visiblement ce jeu a l'air d'être pas mal. Appuyez sur le bouton pour gober, d'accord. Un papillon et gagner une vie supplémentaire. Ok. Oups, pas la masse, je voulais. Attends, est-ce qu'on peut. Ah, attendez, parce qu'il y a un petit lutin qui. Bon. Oui, alors dans ce jeu, il faut bien suivre les patterns des ennemis. Voilà. You, cool. C'est parfait. C'est bien. C'est très bien. Ok. Alors attendez, parce que là. Ah mince, ah zut, j'étais persuadé qu'il ne me toucherait pas celui-là. Bon, c'est pas grave, attends, on va recommencer. Non mais c'est de ma faute, j'étais un petit peu trop pressant, excusez-moi. Là, attention. Oh, mais c'est fou à quel point les. Attends, ramasse autant de pièces que possible, car tu auras besoin de 50 pièces pour entrer dans le dernier monde, le temple des grenouilles. Oh, t'inquiète. Attention, faut bien faire gaffe, faut pas faire n'importe quoi. Ah. En fait, il faut suivre le pattern des ennemis pour éviter qu'ils nous touchent. C'est bon, le jeu, franchement, il a l'air d'être pas simple et pourtant, il est simple comme tout. Je sais pas pourquoi. Ah, une sauvegarde. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Oh, mais ça. Ah, zut. Je sais pas pourquoi j'ai foncé sur lui. Bon, pas. Attention. Voilà. Wally Walou. Alors, attends. Oh là, ils ont des patterns aléatoires, c'est de là. Voilà. Appuie sur le bouton pour sauter et glisser au-dessus des trous et de certains adversaires. Tu peux également atteindre une position élevée à l'aide de cette fonction sauter et glisser. Ok. Attends, on va déjà récupérer.
Oh, mince, ah zut. Et j'ai pourtant bien, comment dirais-je. Attends, c'est pas ça. Oui, on a compris, on a compris, on a compris. T'inquiète pas, on a compris. Oh, ça y est, j'ai réussi! Oh là 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 là! Oh, mais le stress de ouf! Attends. Attends, qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien. Très bien. Ok. Oh là, attention. Ok. Là, il y a des espèces de véhicules. Ok. Quelque chose me dit qu'on va bien, bien, bien se marrer. Oh, tiens, 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 tiens. Hey, fais attention en traversant, les gens. Ok. Attention, mesdames et messieurs. Attends, je vais attendre que l'autre soit complètement descendu et après on remontera. Merde! Oh, j'étais persuadé. Oh là là. Eh, c'est fou à quel point le jeu peut être dur sur les bords. Je sais pas pourquoi. Oh, attends, j'y pense. Je peux très bien. Je vais voir si je peux refaire. Attention! Oh, attention! Non, non, non! Oula, oula, attention, je suis une grenouille. Oh putain. Oh, oh la vache. Ah ok, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, mesdames et messieurs, c'est pas fini. Bon, attends, il y a une pièce, mais je vais pas la récupérer parce que j'ai pas de temps. Ah, avec du bouton R, tu peux faire tourner Frogger à gauche. Ouais, ça, j'avais compris ce que ça voulait dire. Ça sert à rien de. Comment dirais-je? Attends. Attends. Restons calmes. Restons calmes. Restons calmes. Voilà. Voilà. Oh merde! Ah zut! Ah, j'ai fait un faux mouvement! Oh, mais quel connard! Oh là là! Eh, Frogger, s'il te plaît. Fais attention. Attends, attends, je vais voir si je peux récupérer la petite pièce. Voilà, très bien. Oui, on a compris, on a compris, on a compris. T'inquiète pas, j'ai compris. Non, mais c'est de ma faute. Vous dire, le jeu que je viens de vous dire, il est bien, il est, mais il est certes pas vraiment évident sur les bords. Voilà. Et voilà. Allez. Tout doux, 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 tout doux. On se calme, on se calme, on se calme. Voilà! Voilà, oula, en plus les. Oula, attention, oula, attention, parce que. Oh, oula, calme-toi, calme-toi, mec, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends, parce que. Non, mais ça, j'ai pas eu le temps de l'esquiver, oh là là! Oh, mais c'est de ma faute, j'ai trop tardé. Pas grave, pas grave. Attention, attention, attention. Attention. Niveau achevé. Oh, putain. Que ça a été dur. Caverne des lutins. Bon, évidemment, si j'aurais. Merde, mais pourquoi je suis. Oh là là, mais pourquoi je suis pas du. Je. Oh là là là. Mais c'est fou à quel point le jeu est dur. Sérieux. Mais non! Mais non! Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais, mec? Voilà, ok. Oh là, là on va s'amuser, là on va s'amuser. Bref, le jeu franchement il est bien, mais il est vraiment mais punitif sur les bords. Faut vraiment pas déconner avec ça. Voilà, parfait. Mais non, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je comptais quasiment m'arrêter là parce que franchement, le jeu est bien, mais bon, il est loin d'être aussi fameux que ça. C'est comme pour les anciens jeux, il faut vraiment mais bien faire gaffe à ne pas faire n'importe quoi. Bref, un jeu à tester avec beaucoup de modération, quoi. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc Frogger's Adventures Temple of the Frog, sorti aux alentours de l'année 2001 sur Game Boy Advance. Oui, j'avais oublié de vous dire que ce jeu a été est sorti sur Game Boy Advance et édité par Konami. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu.
Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.